Bonjour Karim. Bonjour Sandra. Comme vous l'avez compris, on va faire de la marche nordique. Okay. So sexy. T'en es à combien de mois? Entre 5 et 6, 24 semaines. Tout se passe bien jusqu'à présent? Tout se passe très très bien. Parce que vous faites de l'exercice tout le temps? Un tout petit peu. Quoi comme soir? Hein? Je marche. De la marche? Oui. Ça me va. Je vous propose de faire de la marche nordique. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Je vous montre ça? C'est parti. Allez, on y va. Pour la marche nordique, vous avez besoin de bâtons. Vous passez vos mains dans les lanières, ça vous perdrez pas vos bâtons. Il faut faire attention à ce que vos bras soient à 90 degrés. Okay. La poser, ça va? Je pense que c'est bon. La marche nordique est l'une des activités les plus complètes pour la femme enceinte. Non seulement vous musclez vos jambes, vous musclez vos abdominaux, mais surtout vous renforcez le haut du corps, chose qu'on n'a pas dans la marche classique. Dans la marche nordique, la propulsion vient de l'arrière. D'abord, il faut apprendre à poser les bâtons. On les laisse à l'arrière et vous allez simplement avancer, garder les mains dans les lanières et juste avancer. Maintenant que vous avez compris que les bâtons doivent rester à l'arrière, on va vraiment faire la propulsion. Vos bâtons sont bien en arrière. L'idée, c'est de ne pas les faire passer devant le pied qui va être avancé. Bon, ici, je vais avancer jambe droite. Le bâton reste en arrière et je vais pousser avec la main gauche. Pousser. Ça va là? C'est ça. On recommence. On sent bien la propulsion. Ça fait ouh! C'est ça, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile que la marche normale, classique que vous faisiez tous les jours. Quelle fréquence de pratique? 30 à 35 minutes par jour, ce serait l'idéal. Mais si vous n'avez que 20 minutes à disposition, faites-en pendant 20 minutes. Si vous pouvez en faire une heure, c'est encore mieux! Profitez-en. Vous avez tous les mouvements, vous savez poser votre bâton, vous savez le planter, vous savez vous propulser. Plus qu'à marcher. C'est parti. Super, ça donne envie d'aller dehors. Parc de la Villette, hein. Ouais. C'est votre truc d'aller là-bas, ouais. Faire du sport. Alors Yasmine avait une bonne question à propos du bâton. Laquelle Yasmine? On a vraiment besoin de ces bâtons parce que, un, moi je veux bien marcher, ouais. Mais deux, pas les bâtons. Donc, mais les bâtons rajoutent un aspect extraordinaire, ça permet de faire travailler le haut du corps. En général, quand on court, vous courez, vous aimez peut-être courir. Marie ouais. adore la course. Ouais. Vous aimez courir, ça fait travailler le bas du corps, ça fait travailler le cœur. Mais là, vous avez tout le corps qui travaille, le haut du corps moi, qui travaille. Je prends même des bâtons quand je cours. Non, c'est pas vrai. Mais quand on fait des randonnées, oh, je veux voir. Mais oui, ça permet de vous propulser en fait. Ouais. Et ça coûte cher ou pas les Ça coûte rien, ça coûte rien du tout. Ouais. Je crois que c'est une dizaine d'euros une dizaine d'euros. Vous gardez ça à vie. Hein. Et c'est vraiment très pratique. Que vous soyez enceinte ou non. Et je sais que vous avez une question incroyable. Et oui, s'il pleut. On est devenu accro de la marche nordique, parce qu'on a vu votre tuto, c'est formidable. Mais il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la marche nordique, le but, c'est de faire travailler votre cœur surtout, ouais. Et de muscler l'ensemble du corps. Donc là, on va vous faire des exercices. Vous pouvez faire des exercices de low impact. Vous pouvez même marcher chez vous, hein, simplement. Des exercices de quoi? De low impact, c'est l'anglais. Low impact. C'est pour dire à faible impact. On va...